Voilà, je sais pas quelle heure il est. Je sais pas. Hein? Pas loin d'est là. Pas loin de là? Ouais. Il doit être 3h30 passées. Et puis ben on y va, hein. C'est parti, on va aller voir ce que ça donne. En avant! Voilà! Voilà, on a passé une petite rimée, enfin une crevasse plutôt. Il doit être aux alentours de 7 heures. Et nous, voilà, droit au centre. La rimée, avec de la neige inconsistante. Ça va être caillou. Oh oui. Faut y arriver à trouver ne serait-ce qu'une petite réglette. Bon. Ça y est. On a passé l'arrimée. Petit relais à 5 mètres au-dessus. On attaque la rampe en neige. Qui est là-bas et l'attaque à la longueur. Première longueur après la corde tendue. Après, ça se passe par là. C'est un peu plus raide quand même. Mais c'est plein de glace. Et ça, c'est bon. Hop. Ça fait une longueur et demie là. Oui. Il nous en reste 5 et demi. Bon relais. Et c'est reparti. Sont bien ces broches. Ouais. Plus elles sont pas toutes jeunes. Hein. Ils ont ramassé au Pérou. Continue bien ancré. Ouais. Il y a un sale courant d'air qui nous fait tout froid. Mais bon, c'est comme ça la montagne. On est presque en hivernal à J-2. Et voilà, on a fait les difficultés. Maintenant, on se promène allègrement vers la sortie. Le nul sèche, la Jonathan Holly. Des escalades de la pentouse. Génial! C'est génial! On gagne un peu de temps. Alors, cette descente? Ah, tout là-haut. Et voilà, dernier appel pour passer la rimée.
Oh, ouf. Foncez. Retour vers les skis. Yes. Alors Jonathan, première impression sur cette descente fabuleuse? C'est de toute beauté. Ah, je pense que là on peut dire qu'on n'a jamais vu autant de pèses. Grave. L'arrêt des fesses.